matin, nous sommes arrivés dans la classe comme tous les matins. Après un bye-bye à nos parents, nous commencerons l'éveil corporel. Léane veut nous partager son rêve de la nuit. J'ai rêvé que je sauvais les baleines. Elle nous donne envie de sauver les océans. Nous avons envie de peindre une baleine pour décorer notre classe. Et surprise, la baleine nous parle. Bonjour les enfants, merci de penser à moi et à mes amis de l'océan. Alors la baleine nous sauve une pluie de zooplancton. Et on nous retrouvons au milieu de l'océan. Elle nous dit, est-ce que vous voulez découvrir où je vis? Oui. Comme c'est beau. Elle nous amène voir sa copine, la tortue marine. Celle-ci a un petit creux et elle voit passer une méduse bien appétissante. Et miam. Mais tout d'un coup, elle devient bien pâlote. Zut, elle vient d'avaler un déchet plastique. Avec un pinceau qu'on avait apporté, on le sait tout sous la carapace. Et tout à coup, tout. Enfin, la tortue peut respirer. Elle nous raconte qu'il y a trop de déchets dans la mer. Elle les confond parfois avec de délicieuses méduses. C'est ça ! Ce n'est plus possible ! Nous voulons agir pour réduire nos déchets. Nous fabriquons nous-mêmes de dentifrice. Nous utilisons le terrier. Nous fabriquons aussi notre propre cépouche.